Want to speak real French from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at FrenchPod101.com. Hi everyone, and welcome back to Weekly Words. And let's start this week with ta -da! jobs. Hey, that's a nice one. So jobs. First job is infirmière, nurse. Mon père est infirmier. My dad is a nurse, which is true. Hi. <laughs> Infirmière is uh, for women and infirmier will be for men. Officier de police, police officer, or you can just say policier. Ce policier est trop méchant. This police officer is so mean. C'est un gentil officier de police. It's a nice police officer. He showed me the way and stuff. Employé de bureau, office worker. It looks boring being an office worker. <laughs> Je suis employé de bureau. I'm an office worker. Simple. Next one, ingénieur. Engineer. An engineer. Um, wouldn't it be nice to marry an engineer? Ce serait plutôt sympa de se marier avec un ingénieur, non? Yeah, I said something nice. Great. Programmeur, which is programmer. Uh, yeah. I thought we did computer world already. <laughs> Le programmeur programme. un programme. The programmer is programming a programme. <laughs> Three times the same word, you can use it easily. Et le programmeur fait un jeu. The programmer is making a game, which will be super nice. And the end again. So let's see you next week in weekly words. Bye. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your French listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. Un homme fait un rapport sur les performances de vente de son entreprise lors d'une réunion. Quels sont les deux graphiques qu'il utilise pour sa présentation Regardez le document s'il vous plaît. Le graphique de gauche montre les ventes de l'entreprise sur les trois dernières années et les prévisions de ventes pour l'année présente. Le graphique de droite montre la chute des ventes jusqu'au mois d'octobre de cette année. Maintenant, revenons au graphique de gauche. Il montre que les ventes ont augmenté progressivement sur les trois dernières années. Si nous pouvons maintenir l'augmentation des ventes cette année, on dépassera le total des ventes de l'an passé. Regardons encore le graphique de droite. Il montre que les campagnes que nous avons faites en avril et août ont été plutôt efficaces. Je vois, mais les ventes ont décliné en mai et septembre juste après les campagnes. Oui, mais ce genre de rebond est inévitable. Je pense que les ventes annuelles pour cette année vont dépasser celles de l'an passé si nous continuons sur cette lancée. Quels sont les deux graphiques qu'il utilise pour sa présentation Un homme fait un rapport sur les performances de vente de son entreprise lors d'une réunion. Quels sont les deux graphiques qu'il utilise pour sa présentation Regardez le document, s'il vous plaît. Le graphique de gauche montre les ventes de l'entreprise sur les trois dernières années et les prévisions de vente pour l'année présente. Le graphique de droite montre la chute des ventes jusqu'au mois d'octobre de cette année. Maintenant, revenons au graphique de gauche. Il montre que les ventes ont augmenté progressivement sur les trois dernières années. Si nous pouvons maintenir l'augmentation des ventes cette année, on dépassera le total des ventes de l'an passé. Regardons encore le graphique de droite. Il montre que les campagnes que nous avons faites en avril et août ont été plutôt efficaces. Je vois, mais les ventes ont décliné en mai et septembre juste après les campagnes. Oui, mais ce genre de rebond est inévitable. Je pense que les ventes annuelles pour cette année vont dépasser celles de l'an passé si nous continuons sur cette lancée. Une femme discute avec un imprimeur sous-traitant à propos de la brochure d'un nouveau produit. Quelle est la date limite pour rendre le premier jet du design de la brochure Nous avons décidé de lancer le produit le 15 octobre et nous voudrions travailler avec vous pour la brochure. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment ravis de vous aider dans la réalisation de ce projet. Pourriez-vous nous en dire plus sur le calendrier Quand auriez-vous besoin d'être livré Eh bien, en prenant en compte le temps de production, nous aimerions envoyer les brochures à l'impression fin septembre. Vous serait il possible de nous éditer un premier jemi août Bien, nous aimerions vous présenter trois designs différents pour le brouillon et vous choisirez celui qui vous convient le mieux. Ensuite, nous ferons le design final en nous basant sur votre choix. Cela nous aiderait beaucoup d'avoir deux semaines de plus pour cette phase. Hmm, ok. Peut-être qu'un mois suffira pour choisir un des designs que vous aurez fait et décider de la version finale. Très bien, je compte sur vous. Vous êtes entre de bonnes mains. Notre équipe graphique est la meilleure. Merci beaucoup. Quelle est la date limite pour rendre le premier jet du design de la brochure Une femme discute avec un imprimeur sous-traitant à propos de la brochure d'un nouveau produit. Quelle est la date limite pour rendre le premier jet du design de la brochure Nous avons décidé de lancer le produit le 15 octobre et nous voudrions travailler avec vous pour la brochure. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment ravis de vous aider dans la réalisation de ce projet. Pourriez-vous nous en dire plus sur le calendrier Quand auriez-vous besoin d'être livré eh bien, en prenant en compte le temps de production, nous aimerions envoyer les brochures à l'impression fin septembre. Vous serait-il possible de nous éditer un premier mi août Bien, nous aimerions vous présenter trois designs différents pour le brouillon, et vous choisirez celui qui vous convient le mieux. Ensuite, nous ferons le design final en nous basant sur votre choix. Cela nous aiderait beaucoup d'avoir deux semaines de plus pour cette phase. Hmm, ok. Peut-être qu'un mois suffira pour choisir un des designs que vous aurez fait et décider de la version finale. Très bien, je compte sur vous. Vous êtes entre de bonnes mains. Notre équipe graphique est la meilleure. Merci beaucoup. Un homme et une femme discutent de la présentation qu'ils vont faire le lendemain au bureau. Que va vérifier la femme après leur conversation Ok, je pense que nous sommes presque prêts pour la présentation de demain. Juste quelques petites choses. La réunion va commencer à 9h pile donc on pourrait revérifier la salle de réunion aujourd'hui Oui, j'ai déjà revérifié la salle. OK, super. Est-ce que tu as vérifié le fonctionnement du projecteur Oh, j'allais vérifier ça demain matin avec mon portable. Non, on doit vérifier ça aujourd'hui. On va pas avoir le temps de gérer ça demain si on a un problème. Donc vérifie ça aujourd'hui, c'est le plus important, OK OK. Et tu as récupéré les copies des documents Madame Martin les fait actuellement. Voyons voir, quoi d'autre Oh, tu as vérifié le tableau blanc Oui, je l'ai fait. Parfois les stylos n'ont plus assez d'encre. Est-ce que tu as regardé ça Pas encore, mais je vais m'en occuper plus tard. Ok, oublie pas de faire ça aujourd'hui, s'il te plaît. Que va vérifier la femme après leur conversation Un homme et une femme discutent de la présentation qu'ils vont faire le lendemain au bureau. Que va vérifier la femme après leur conversation Ok, je pense que nous sommes presque prêts pour la présentation de demain. Juste quelques petites choses. La réunion va commencer à 9h pile, donc on pourrait revérifier la salle de réunion aujourd'hui Oui, j'ai déjà revérifié la salle. Ok, super. Est-ce que tu as vérifié le fonctionnement du projecteur Oh, j'allais vérifier ça demain matin avec mon portable. Non, on doit vérifier ça aujourd'hui. On ne va pas avoir le temps de gérer ça demain si on a un problème. Donc vérifie ça aujourd'hui. C'est le plus important, ok Ok. Et tu as récupéré les copies des documents Madame Martin les fait actuellement. Voyons voir, quoi d'autre Oh, tu as vérifié le tableau blanc Oui, je l'ai fait. Parfois les stylos n'ont plus assez d'encre. Est-ce que tu as regardé ça Pas encore, mais je vais m'en occuper plus tard. Ok, oublie pas de faire ça aujourd'hui s'il te plaît. Un homme et une femme parlent de la disposition de la salle de réunion. Comment vont ils arranger les tables Arrangeons les tables pour la réunion de demain. Très bien. Faut-il mettre toutes les tables au centre de la pièce pour que tout le monde puisse y être assis autour et se faire face Non. Il y aura une séance de groupe en premier lieu. Nous allons donc séparer les tables en quatre parties. Quatre personnes seront placées dans chaque groupe. Ok, et moi je vais poser quelques blocs notes et stylos sur chaque table. Merci. Et nous aurons une courte explication à l'aide d'un projecteur avant de commencer la séance. Nous avons donc besoin d'un projecteur ici. Très bien. Aussi, nous allons utiliser un tableau blanc, n'est-ce pas? C'est bon si je mets le tableau blanc à côté de l'écran? Eh bien, que diriez-vous de mettre ce tableau blanc du côté opposé à l'écran? Mettons-le à l'arrière de la pièce. Je vois. Et n'oubliez pas de rapporter toutes les choses après la réunion. Mettez deux tables ensemble et installez-les en deux rangées. Comment vont-ils arranger les tables Un homme et une femme parlent de la disposition de la salle de réunion. Comment vont-ils arranger les tables Arrangeons les tables pour la réunion de demain. Très bien. Faut-il mettre toutes les tables au centre de la pièce pour que tout le monde puisse y être assis autour et se faire face Non. Il y aura une séance de groupe en premier lieu. Nous allons donc séparer les tables en quatre parties. Quatre personnes seront placées dans chaque groupe. Ok. Et moi, je vais poser quelques blocs notes et stylos sur chaque table. Merci. Et nous aurons une courte explication à l'aide d'un projecteur avant de commencer la séance. Nous avons donc besoin d'un projecteur ici. Très bien. Aussi, nous allons utiliser un tableau blanc, n'est-ce pas? C'est bon si je mets le tableau blanc à côté de l'écran? Eh bien, que diriez-vous de mettre ce tableau blanc du côté opposé à l'écran? Mettons-le à l'arrière de la pièce. Je vois. Et n'oubliez pas de rapporter toutes les choses après la réunion. Mettez deux tables ensemble et installez-les en deux rangées. Want to speak real French from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at frenchpod101.com. Un homme et une femme parlent de matériel de bureau. Que va commander l'homme Vous devez vérifier le stock de matériel de bureau et commander des objets dont nous avons besoin une fois par mois. Vérifions cela ensemble cette fois-ci à l'aide de cette liste de contrôle. Merci. Alors, commençons avec le papier. On dirait qu'il ne reste plus qu'une boîte. Nous utilisons beaucoup de papier tous les jours, donc nous allons commander deux boîtes de plus. Ok. L'imprimante n'a plus d'encre de couleur. Devons-nous en commander Oh, ce n'est pas un problème car nous n'imprimons pas nos documents en couleur. Ah bon Ok. On dirait que certains marqueurs pour tableau blanc sont à court d'encre. Oui, ceux-ci ont besoin d'être remplacés. Nous obtenons une réduction si nous commandons une boîte de cinq marqueurs. Nous allons donc le faire. Ok. Oh. Et pouvons nous commander une souris en même temps? Ma souris semble lente à réagir. Eh bien, je pense que c'est parce que les piles sont presque épuisées. Vérifions le stock de piles, et s'il n'en reste plus beaucoup, nous en commanderons. Bien sûr. Eh bien. Nous avons trois piles ici. Vous pouvez en prendre deux pour votre souris, mais achetez un lot de six piles pour les remplacer. Que va commander l'homme Un homme et une femme parlent de matériel de bureau. Que va commander l'homme Vous devez vérifier le stock de matériel de bureau et commander des objets dont nous avons besoin une fois par mois. Vérifions cela ensemble cette fois-ci à l'aide de cette liste de contrôle. Merci. Alors, commençons avec le papier. On dirait qu'il ne reste plus qu'une boîte. Nous utilisons beaucoup de papier tous les jours, donc nous allons commander deux boîtes de plus. Ok. L'imprimante n'a plus d'encre de couleur. Devons-nous en commander Oh, ce n'est pas un problème car nous n'imprimons pas nos documents en couleur. Ah bon Ok. On dirait que certains marqueurs pour tableau blanc sont à court d'encre. Oui, ceux-ci ont besoin d'être remplacés. Nous obtenons une réduction si nous commandons une boîte de cinq marqueurs. Nous allons donc le faire. Ok. Oh. Et pouvons-nous commander une souris en même temps Ma souris semble lente à réagir. Eh bien, je pense que c'est parce que les piles sont presque épuisées. Vérifions le stock de piles, et s'il n'en reste plus beaucoup, nous en commanderons. Bien sûr. Eh bien, nous avons trois piles ici. Vous pouvez en prendre deux pour votre souris, mais achetez un lot de six piles pour les remplacer. Une femme demande à un homme dans un office de tourisme comment aller à l'aéroport. Où va-t-elle aller ensuite Excusez-moi, j'aimerais aller à l'aéroport. Pourriez-vous m'indiquer comment y aller Bien sûr, il y a plusieurs façons pour y accéder. Si vous prenez le bus numéro 1, cela vous prendra environ une heure et demie pour arriver à l'aéroport, mais le tarif est le moins cher. Si vous prenez le bus numéro 2, cela vous prendra environ 50 minutes, car c'est un bus non-stop, mais il part une fois par heure. C'est un peu plus cher. Je vois. Et les taxis? Oui, il y a une station de taxi devant cet office de tourisme, et il faut environ une heure. Mais cela va être beaucoup plus cher que les bus, car ils utilisent la voie rapide, et ils font payer en plus pour de gros bagages. Oh. Je ne m'attendais pas à cela. C'est trop cher pour moi. Au fait, avez vous acheté quelque chose au shopping plaza pendant la journée? Ils offrent le service de navette gratuit du plaza jusqu'à l'aéroport pour les clients ayant effectué des achats. Waouh, je ne savais pas cela. Je n'en ai pas encore fait, mais j'allais acheter des souvenirs dans tous les cas. Donc, vous pourrez utiliser cela. Où va-t-elle aller ensuite Une femme demande à un homme dans un office de tourisme comment aller à l'aéroport. Où va-t-elle aller ensuite Excusez-moi, j'aimerais aller à l'aéroport. Pourriez-vous m'indiquer comment y aller Bien sûr, il y a plusieurs façons pour y accéder. Si vous prenez le bus numéro 1, cela vous prendra environ une heure et demie pour arriver à l'aéroport, mais le tarif est le moins cher. Si vous prenez le bus numéro 2, cela vous prendra environ cinquante minutes, car c'est un bus non-stop, mais il part une fois par heure. C'est un peu plus cher. Je vois. Et les taxis Oui, il y a une station de taxi devant cet office de tourisme, et il faut environ une heure. Mais cela va être beaucoup plus cher que les bus, car ils utilisent la voie rapide, et ils font payer en plus pour de gros bagages. Oh. Je ne m'attendais pas à cela. C'est trop cher pour moi. Au fait, avez-vous acheté quelque chose au Shopping Plaza pendant la journée Ils offrent le service de navette gratuit, du plaza jusqu'à l'aéroport, pour les clients ayant effectué des achats. Waouh, je ne savais pas cela. Je n'en ai pas encore fait, mais j'allais acheter des souvenirs dans tous les cas. Donc, vous pourrez utiliser cela. Une femme rapporte à son patron les résultats du questionnaire. Quel graphique représente les employés de la filiale B Nous avons demandé à 200 employés de répondre à un questionnaire sur leurs habitudes sportives la semaine dernière. La question était combien de temps ils s'entraînent par semaine et voici le résultat. Avez-vous compté les résultats de la filiale A et B séparément Oui, et nous avions quatre options moins d'une heure, environ une à deux heures, environ trois à six heures et six heures ou plus. Les deux filiales ont le plus répondu environ une à trois heures. On dirait qu'ils s'entraînent une fois par semaine. Oui, la deuxième option qui dirigeait était environ trois à cinq heures pour la filiale A et moins d'une heure pour la filiale B. Hmm. Même pas 10% de la filiale B s'entraîne plus de 6 heures. C'est exact. J'ai donc pensé organiser un événement sportif que tout le monde peut joindre en passant. C'est une bonne idée. Cela donnerait également une bonne chance aux employés d'interagir entre eux. Je vais vous laisser vous en occuper. Très bien, je vais faire de mon mieux. Quel graphique représente les employés de la filiale B? une femme rapporte à son patron les résultats du questionnaire. Quel graphique représente les employés de la filiale B Nous avons demandé à 200 employés de répondre à un questionnaire sur leurs habitudes sportives la semaine dernière. La question était combien de temps ils s'entraînent par semaine, et voici le résultat. Avez-vous compté les résultats de la filiale A et B séparément Oui, et nous avions quatre options moins d'une heure, environ une à deux heures, environ 3 à 6 heures et 6 heures ou plus. Les deux filiales ont le plus répondu environ 1 à 3 heures. On dirait qu'ils s'entraînent une fois par semaine. Oui, la deuxième option qui dirigeait était environ 3 à 5 heures pour la filiale A et moins d'une heure pour la filiale B. Hmm. Même pas 10% de la filiale B s'entraîne plus de 6 heures. C'est exact. J'ai donc pensé à organiser un événement sportif que tout le monde peut joindre en passant. C'est une bonne idée. Cela donnerait également une bonne chance aux employés d'interagir entre eux. Je vais vous laisser vous en occuper. Très bien, je vais faire de mon mieux. Les employés d'un café parlent de leur vente. Choisissez le graphique qu'ils regardent. Nous avons bien vendu entre décembre et février. Oui, les articles en édition limitée ont très bien fonctionné. Mais je suis désolé que le nouveau produit lancé en mars ne se vende pas bien et ait fini par freiner les ventes pour ce mois. Nous avons eu un ralentissement des ventes en octobre et mars. En général, nos ventes ont été en constante augmentation, mais les ventes d'octobre ont été les pires ventes mensuelles du second semestre. Vous savez, nous avions un concurrent qui a ouvert son café dans ce quartier en octobre et il a attiré nos clients au début. Je suis soulagé de voir que nos clients reviennent. Oui. Les données de nos clients en fonction de leur sexe et de leur âge montrent que plus de la moitié de nos clients sont des femmes entre 20 et 30 ans. Cela signifie que nous devrons trouver de nouvelles idées de campagne pour garder ces clients à l'avenir. En plus de nos produits réguliers de café, nous pouvons essayer d'offrir plus de choix de plats d'accompagnement. Oui, mais environ 20% de nos clients sont des hommes entre 20 et 30 ans. Donc, nous avons besoin de penser à des services qui les attirent eux aussi. Je vois. Par exemple, un service de Wi-Fi gratuit pourrait être bon pour les hommes d'affaires. Je vois. Réfléchissons-y. Choisissez le graphique qu'ils regardent. Les employés d'un café parlent de leurs ventes. Choisissez le graphique qu'ils regardent. Nous avons bien vendu entre décembre et février. Oui, les articles en édition limitée ont très bien fonctionné. Mais je suis désolée que le nouveau produit lancé en mars ne se vende pas bien et ait fini par freiner les ventes pour ce mois. Nous avons eu un ralentissement des ventes en octobre et mars. En général, nos ventes ont été en constante augmentation, mais les ventes d'octobre ont été les pires ventes mensuelles du second semestre. Vous savez, nous avions un concurrent qui a ouvert son café dans ce quartier en octobre et il a attiré nos clients au début. Je suis soulagée de voir que nos clients reviennent. Oui, les données de nos clients en fonction de leur sexe et de leur âge montrent que plus de la moitié de nos clients sont des femmes entre vingt et trente ans. Cela signifie que nous devrons trouver de nouvelles idées de campagne pour garder ces clients à l'avenir. En plus de nos produits réguliers de café, nous pouvons essayer d'offrir plus de choix de plats d'accompagnement. Oui, mais environ vingt pour cent de nos clients sont des hommes entre vingt et trente ans. Donc, nous avons besoin de penser à des services qui les attirent eux aussi. Je vois. Par exemple, un service de Wi-Fi gratuit pourrait être bon pour les hommes d'affaires. Je vois. Réfléchissons-y. Un homme et une femme discutent du modèle de la carte de visite de l'entreprise. Quel modèle ont-ils choisi On a reçu quelques nouveaux modèles pour la carte de visite de l'entreprise. Laquelle conviendrait le mieux à ton avis Voyons ça. Je pense que le nom de l'entreprise devrait être plus gros. Ok, donc ça serait une de celles-ci Oui, j'aime celle-ci parce que le nom de l'entreprise est gros et en haut. Il y en a une avec un espace pour une photo. Qu'en penses-tu Hum. Mmh, je pense que ça réduit trop la taille du texte. Ouais. Le texte va être un peu difficile à lire à cause de l'image. Ok, donc on va prendre l'autre. Quel modèle ont-ils choisi? Un homme et une femme discutent du modèle de la carte de visite de l'entreprise. Quel modèle ont-ils choisi? On a reçu quelques nouveaux modèles pour la carte de visite de l'entreprise. Laquelle conviendrait le mieux à ton avis Voyons ça. Je pense que le nom de l'entreprise devrait être plus gros. Ok, donc ça serait une de celles-ci Oui. J'aime celle-ci parce que le nom de l'entreprise est gros et en haut. Il y en a une avec un espace pour une photo. Qu'en penses-tu mmh. Je pense que ça réduit trop la taille du texte. Ouais, le texte va être un peu difficile à lire à cause de l'image. Ok, donc on va prendre l'autre. Wanna speak real French from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at Frenchpod101.com. Un homme parle avec une femme de ses plans de voyage. Quand va-t-il rentrer à la maison? Tu pars en voyage la semaine prochaine, n'est-ce pas? Oui, je pars à Londres mardi. Je resterai là-bas pour deux nuits. Et ensuite tu vas à Istanbul? Oui, je vais à Istanbul jeudi, et j'y reste la nuit. Puis je rentre à la maison. Donc tu peux te joindre à nous pour la réunion de samedi, n'est-ce pas? Oui, je peux. Quand va-t-il rentrer à la maison? Un homme parle avec une femme de ses plans de voyage. Quand va t-il rentrer à la maison? Tu pars en voyage la semaine prochaine, n'est ce pas? Oui, je pars à Londres mardi. Je resterai là-bas pour deux nuits. Et ensuite tu vas à Istanbul? Oui, je vais à Istanbul jeudi, et j'y reste la nuit, puis je rentre à la maison. Donc tu peux te joindre à nous pour la réunion de samedi, n'est-ce pas? Oui, je peux. Deux étudiants, un garçon et une fille, regardent des petites annonces de job. Pour quel travail l'étudiante va-t-elle postuler? Eh, hey, tu penses quoi de ce job Le taux horaire est assez élevé. C'est sûr, la paye est géniale, mais tu penses vraiment pouvoir faire de la livraison de journaux? Bien sûr, je suis bonne en vélo. Mais ça m'embête de me lever tôt. Et ça C'est pas aussi bien payé, mais tu peux travailler deux ou trois jours par semaine et commencer à travailler les soirs. Ah, celui-là Caissière Ouais, ça peut être bien de bosser après les cours. Celui pour le café a l'air pas mal aussi. Ah ouais, j'adore cet endroit. Et c'est sur mon chemin. Pas mal, hein Hum. Auquel je postule tu hésites entre quoi et quoi Le café et les livraisons Ouais, le salaire pour la livraison de journaux est vraiment bien. Ok, j'ai choisi. Je vais juste devoir me lever tôt. Pour quel travail l'étudiante va-t-elle postuler Deux étudiants, un garçon et une fille, regardent des petites annonces de job. Pour quel travail l'étudiante va-t-elle postuler Hé, hey, tu penses quoi de ce job Le taux horaire est assez élevé. C'est sûr, la paye est géniale, mais tu penses vraiment pouvoir faire de la livraison de journaux Bien sûr, je suis bonne en vélo. Mais ça m'embête de me lever tôt. Et ça C'est pas aussi bien payé, mais tu peux travailler deux ou trois jours par semaine et commencer à travailler les soirs. Ah, celui-là Caissière Ouais, ça peut être bien de bosser après les cours. Celui pour le café a l'air pas mal aussi. Ah ouais, j'adore cet endroit. Et c'est sur mon chemin. Pas mal, hein Hum. Auquel je postule. Tu hésites entre quoi et quoi Le café et les livraisons Ouais, le salaire pour la livraison de journaux est vraiment bien. Ok, j'ai choisi. Je vais juste devoir me lever tôt. Le président de l'entreprise et sa secrétaire parlent au téléphone. Quel document la secrétaire va-t-elle livrer au service commercial Bonjour. Pourriez-vous me rendre service Il y a un document sur mon bureau et j'aurais besoin que vous le livriez au service commercial. Bien sûr. De quel document s'agit-il Je pense qu'il se trouve dans l'enveloppe bleue. L'enveloppe bleue. Eh bien, il y a deux enveloppes bleues sur votre bureau. Ah oui. Il y a un seau rouge en haut à droite de l'enveloppe. Celle avec le seau vert est à distribuer au service de recrutement. Celle avec le seau rouge. J'ai compris. Super. Livrez-la au service commercial d'ici à une heure de l'après-midi et faites en sorte de l'envoyer directement au manager. Vous le connaissez, non Oui, je l'ai rencontré et ai parlé avec lui à de nombreuses reprises. Bien. Oh, et pouvez-vous livrer l'autre enveloppe au service des ressources humaines? Oui, monsieur. Quel document la secrétaire va-t-elle livrer au service commercial? Le président de l'entreprise et sa secrétaire parlent au téléphone. Quel document la secrétaire va-t-elle livrer au service commercial? Bonjour. Pourriez-vous me rendre service Il y a un document sur mon bureau et j'aurais besoin que vous le livriez au service commercial. Bien sûr De quel document s'agit-il Je pense qu'il se trouve dans l'enveloppe bleue. L'enveloppe bleue Eh bien, il y a deux enveloppes bleues sur votre bureau. Ah oui Il y a un seau rouge en haut à droite de l'enveloppe. Celle avec le seau vert est à distribuer au service de recrutement. Celle avec le seau rouge. J'ai compris. Super. Livrez-la au service commercial d'ici à une heure de l'après-midi et faites en sorte de l'envoyer directement au manager. Vous le connaissez, non Oui, je l'ai rencontré et ai parlé avec lui à de nombreuses reprises. Bien. Oh, et pouvez-vous livrer l'autre enveloppe au service des ressources humaines Oui, monsieur. Une femme fait un rapport sur les ventes de sacs. Quel sac était le plus vendu? Voici le rapport sur nos sacs pour femmes que nous venons de lancer le mois dernier. Tout d'abord, concernant la couleur, le noir se vendait le plus. Il est suivi par le blanc puis le bleu ciel. Le jaune ne se vendait pas très bien. Le jaune ne se vendait pas très bien, hein? Et les formes? Les sacs de grosse taille se vendaient mieux que ceux de petite taille. Les sacs pouvant contenir des cahiers A4 ou des magazines étaient les plus populaires. Très bien. En ce qui concerne les poignées, le cuir était plus populaire que la chaîne. Je vois. On dirait que les sacs qui vont avec un style formel se vendent le plus. C'est vrai. Je pense donc que nous devrions utiliser des couleurs moins vives comme le beige ou le marron pour notre nouvelle collection. Très bien, alors choisissons le beige comme nouvelle couleur. Vous pouvez arrêter la production des sacs jaunes. Ok. Quel sac était le plus vendu Une femme fait un rapport sur les ventes de sacs. Quel sac était le plus vendu Voici le rapport sur nos sacs pour femmes que nous venons de lancer le mois dernier. Tout d'abord, concernant la couleur, le noir se vendait le plus, il est suivi par le blanc, puis le bleu ciel. Le jaune ne se vendait pas très bien. Le jaune ne se vendait pas très bien hein. Et les formes Les sacs de grosse taille se vendaient mieux que ceux de petite taille. Les sacs pouvant contenir des cahiers A4 ou des magazines étaient les plus populaires. Très bien. En ce qui concerne les poignées, le cuir était plus populaire que la chaîne. Je vois. On dirait que les sacs qui vont avec un style formel se vendent le plus. C'est vrai. Je pense donc que nous devrions utiliser des couleurs moins vives comme le beige ou le marron pour notre nouvelle collection. Très bien. Alors. Choisissons le beige comme nouvelle couleur. Vous pouvez arrêter la production des sacs jaunes. OK. Un étudiant et une étudiante discutent pendant qu'ils regardent leurs emplois du temps. Choisissez l'emploi du temps du jour de la réunion de l'étudiant. Nous devons avoir une réunion concernant notre prochaine présentation de groupe. C'est vrai. Quand es-tu disponible J'ai cours les lundis, mercredis et jeudis. Dans ce cas, soit mercredi, soit jeudi, marcherai pour tous les deux, comme je suis là les mardis, mercredis et jeudis. Que dirais-tu de jeudi après-midi Les jeudis, j'ai cours jusqu'à la troisième période. Par contre, je peux venir après mon cours d'économie de la troisième période. Mais j'ai un emploi à temps partiel à cinq heures, donc. Je serai disponible pour seulement une heure. Hmm, ça va être assez juste. Et mercredi alors J'ai seulement un cours d'histoire moderne pendant la deuxième période et un cours de droit international pendant la quatrième période. Mais sinon, je suis libre. Je vois. J'ai un cours d'histoire asiatique pendant la troisième période et un emploi à temps partiel le soir. Que dirais-tu de se réunir tôt le matin pour parler jusqu'à ce que les cours de la deuxième période commencent Eh bien, je ne suis pas quelqu'un de matinal. Et si on se voyait jeudi Je vais repousser mon emploi à temps partiel à plus tard. Ok. Viens à la cafétéria quand le cours sera fini, s'il te plaît. Choisissez l'emploi du temps du jour de la réunion de l'étudiant. Un étudiant et une étudiante discutent pendant qu'ils regardent leurs emplois du temps. Choisissez l'emploi du temps du jour de la réunion de l'étudiant. Nous devons avoir une réunion concernant notre prochaine présentation de groupe. C'est vrai, quand es-tu disponible J'ai cours les lundis, mercredis et jeudis. Dans ce cas, soit mercredi, soit jeudi marcherai pour tous les deux comme je suis là les mardis, mercredi et jeudi. Que dirais-tu de jeudi après-midi Les jeudis, j'ai cours jusqu'à la troisième période. Par contre, je peux venir après mon cours d'économie de la troisième période. Mais j'ai un emploi à temps partiel à cinq heures, donc je serai disponible pour seulement une heure. Hmm, ça va être assez juste. Et mercredi alors j'ai seulement un cours d'histoire moderne pendant la deuxième période et un cours de droit international pendant la quatrième période. Mais sinon, je suis libre. Je vois. J'ai un cours d'histoire asiatique pendant la troisième période et un emploi à temps partiel le soir. Que dirais tu de se réunir tôt le matin pour parler jusqu'à ce que les cours de la deuxième période commencent? Eh bien, je ne suis pas quelqu'un de matinal. Et si on se voyait jeudi? Je vais repousser mon emploi à temps partiel à plus tard. Ok, viens à la cafétéria quand le cours sera fini, s'il te plaît. We are back for French weekly words with me. So this week's theme is surprise. At the office, I like being at the office. It's fun. Let's start with the first word. First word at the office is heure supplémentaire, overtime. I don't do much overtime. Je ne fais pas d'heures supplémentaires. Because I'm lazy like that. Next one. <laughs> Prendre sa retraite. To retire. This is something French people like a lot, right? And they talk about it all the time and they count their points so to know how much they will have. En France, on prend sa retraite à 60 ans. In France, you can retire at 60. Next one is... Réunion, meeting. I had a meeting today. Aujourd'hui, j'ai une réunion. Yeah. The meetings are so funny. <laughs> Next one is Société, Company. Société is also the same word in French for society, so don't mix them up. Je travaille pour une grosse société. I work for a big company. Worldwide one. Next one is Bureau, office. Which is also the same word for desk. So you got desk in the office. Vous avez des bureaux au bureau. Mm. Confusing. Aujourd'hui, je travaille au bureau. Today, I work in the office. Mm. Yeah. Next one is the end. So, so, so we'll see you next week for more words. And if you want to get the list of those words, you can go to the website. And if you have questions or any comments, you can leave them in the section below. So, see you. Bye.